Bon, ça a commencé par tiens-moi ma bière. J'ai été chercher un micro-ondes. Et là, je me suis dit, bon, il ne manque plus qu'un œuf d'autruche. Et bizarrement, j'ai trouvé un œuf d'autruche. Et bon, œuf d'autruche, bière, micro-ondes. Bon, je vous laisse imaginer le topo. Donc aujourd'hui, à la cuisine Gwynfriner, nous testons un mythe. Est-ce que l'œuf d'autruche défoncera le micro-ondes? On va regarder ça. Alors, comme de bien entendu, le micro-ondes fonctionne au feu de bois. Comme de bien entendu. Alors, nous fermons. Hello. Time. 9, 9, 9, 9. Start. Bon appétit, les gourmandes. Bon, allez, on se pousse. C'est tout. Ok, non, faut y aller progressivement, faut y aller. Oh, il a pété. Pas de bruit. Alors, c'est décevant. L'œuf, il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait au micro-ondes. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Moi, j'avais prévu plus avoir de micro-ondes. Fallait plus. Micro-ondes. Fini. Bon alors, ça a été décevant. Comme quoi, toutes les choses Gwynfriner ne peuvent pas être parfaites. Alors, eh bien, c'était la conclusion d'un œuf d'autruche qui n'explose pas un micro-ondes. C'est bien malheureux. Un œuf de poule va péter quasiment plus que ça. Alors, eh bien, au prochain essai. Dommage.